Salut à tous, on se retrouve pour affronter Atramedes, le troisième boss du laboratoire caché, la dernière aile de Manroche Noire. On est en mode héroïque, son pouvoir pour 0, l'équipe d'une arme qui gagne un point d'attaque à chaque fois que vous jouez une carte. Donc on veut le freeze un maximum, on prend le mage. On veut essayer de jouer un minimum de cartes pour éviter que son arme grossisse beaucoup trop. Donc du coup, on a quand même la Silic Swamp Ooze pour la détruire. Mais on prend un deck qui se rapproche un peu d'un deck Freeze Mage. That belongs in a museum. I hear your heart beating. You cannot escape. Clumsy footsteps and foul stench give you away. Trois, six, neuf, neuf cartes. Ça m'en fera 10 et je fais Frost. Et au prochain tour, je peux faire Flame Strike. Oh, c'est pas vrai.
ça va être compliqué. Ouais, on contrôle le plateau, il a plus de cartes en main, on gèle à chaque tour, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Allez, on va aller voir le deck. Donc un deck qui est très proche du Freeze Mage, à l'exception de l'ajout de l'Acidic Swamp Ooze et de Harrison Jones pour lui détruire son arme et piocher des cartes. Du coup, dans le deck, un seul acolyte de la souffrance. Donc voilà, il faut évidemment un peu de réussite pour le battre, mais il est indispensable d'avoir Snow Sugar et l'élémentaire d'eau pour pouvoir le freeze, pour éviter qu'il utilise son arme, sinon vous allez prendre cher. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour le dernier boss en mode héroïque, et ce sera la fin de mon roche noir. À plus tard, merci.